Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. Presque un an, jour pour jour, après la déclaration du 17 mars 2020, dans l'optique de présenter la stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie de coronavirus, le Premier ministre, chef du gouvernement, est monté une fois de plus au créneau vendredi 5 mars pour faire état d'un regain de la pandémie au Cameroun. Des statistiques actualisées faisaient alors état de 38 988 personnes testées positives au Covid-19, 34 887 patients guéris, contre 588 décès depuis l'apparition de la maladie au Cameroun. La détérioration de la situation épidémiologique, d'après le gouvernement, est en grande partie due au relâchement dans l'application des gestes barrières et au non-respect des mesures de restriction prises le 17 mars 2020. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, des Camerounais continuent de se réunir en toute insouciance dans les espaces publics ou privés, au mépris des règles de distanciation physique, ceci sans tenir compte de la limite fixée à 50 personnes pour tout rassemblement. Dans nos rues, seules quelques personnes portent le masque de protection, le dispositif de lavage des mains et l'utilisation des gels hydroalcooliques ne sont plus que de lointains souvenirs. D'aucuns continuent même de croire que le Covid-19 est une pure invention ou n'existe que sous d'autres cieux, a regretté type Dr Joseph John Goutet. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Non-respect des mesures de restriction, pourquoi les habitudes ont la peau dure? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Maître Fidèle Dumissi. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain et je salue tous les téléspectateurs de Equinox Soir qui davantage sont nombreux. Et Equinox est devenu la première télévision du Cameroun. Ah, vous êtes sûr? Oui, la première. Vous êtes sûr? En termes d'audimat. Ah bon? En termes d'audimat, malgré... Malgré quoi? Malgré, je dirais peut-être, certains qui trouvent, qui sont jaloux, peut-être de votre audimat et de vos, du combat que vous menez pour tout le peuple camerounais. Parce que vous faites vraiment le travail que doivent faire les médias, parce que les médias, c'est informer, c'est former, et participer à l'évolution de la société. Et c'est ce que Equinox fait. Et nous sommes très satisfaits du travail que Equinox effectue. Et je pense que ceux qui estiment que le nombre de vues, qu'on ne mesure pas l'audimat d'une télévision par rapport au nombre de vues, n'ont pas raison. Et que Equinox reste la meilleure chaîne de télévision dans notre pays, du moins pour l'instant. Et je saisis l'occasion également pour demander aux fidèles téléspectateurs et à tous les Camerounais de ne pas oublier nos prisonniers politiques, prisonniers d'opinion. Je pense au professeur Alain Foguet, je pense à Bibou Nissa, porte-parole du président élu, professeur Maurice Kamto, je pense à Salomon Béas et d'autres qui sont passés devant le juge d'habeas corpus, le juge de liberté immédiate aujourd'hui, et que nous avons choisi d'aller devant la justice pour que l'histoire puisse se retenir, que nous avons donné l'occasion au monde entier de constater et de relever qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Ok. Sobamine Fodieu, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin Otou et bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous regardent au travers de la voix du peuple. Et qui donc, c'est la voix du peuple, comme le disait tantôt Maître. Une voix qui fait écho et une voix qui fait parler. Donc c'est une fois de plus un plaisir de me retrouver aujourd'hui face à vos millions de téléspectateurs pour débattre d'un sujet aussi sérieux. Il faudrait le dire que dans la foulée, le Cameroun a perdu un de ses ministres, ministre délégué au ministère des Relations extérieures en charge du monde islamique récemment.
Donc l'affaire est à prendre très au sérieux. Et je ne vais pas finir mes propos sans rappeler que depuis le 26 janvier 2021, il y a un monsieur qui s'appelle Zao dans Marois, à Marois, qui est porté disparu. Et jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est une élimination du gouvernement ou c'est juste que le monsieur aurait des problèmes. Donc nous interpellons toutes les forces vives de sa localité et toutes les forces publiques de se mobiliser pour qu'un Camerounais qui a été disparu depuis déjà janvier puisse être retrouvé. Merci. Ok. Docteur Marc-Anthony, you're welcome. Thank you very much, Sir Chalene, and to my fellow panelists and to the million viewers of Equinox TV watching at us this evening. I think it's a pleasure to be on this particular platform today to discuss about the coronavirus issue in Cameroon and precisely in Africa, because I believe that Africa has a different setting, geopolitical setting as well as just cultural setting, which is particularly different from that in Europe. And so we have more advantage over the situation. So we'll be talking about it, and why we are here today is not just to talk, but to educate as much as we can. Thank you very much for the opportunity. OK, Albert Anatole, ici, enfin, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Léon Tou. Je salue mes co-panélistes, je salue vos téléspectateurs de Equinox Télévision. Je salue tout le monde. OK, je reste avec vous, Albert Anatole, ici, le Premier ministre, le 17 mars. A fait cette sortie avec ce qu'il convient d'appeler désormais les 13 mesures gouvernementales pour barrer les solutions qu'on avait utilisées à l'époque, la voie à la pandémie au Cameroun. Les Camerounais, on va le dire d'une certaine façon, ont adhéré à ces mesures. Mais le Premier ministre, presque un an après, le 5 mars, il fait une autre sortie. Ce n'est pas ça. Pour vous, où se situe le problème? Pourquoi les mesures ont de la peine, la mayonnaise a de la peine à prendre après le 5 mars? La psychose, c'est 2020, c'était la psychose, 21, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, selon vous, Albert Anatole? Oui, écoutez, si j'allais en tout, l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Alors, vous vous souvenez, oui, que l'opinion de l'Assemblée nationale, revenant, n'est-ce pas, d'une évacuation sanitaire pour défendre, n'est-ce pas, son siège, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, il n'a pas cru bon, n'est-ce pas, de se mettre devant en quarantaine. À l'époque, c'était le terme consacré, et tout de suite s'est retrouvé au Parlement. Donc, je pense que de ce point de vue, c'était un mauvais exemple. Maintenant, de ce point de vue, il faut quand même constater une chose, c'est quoi? C'est que le lexique médical n'est pas endogène. Même les solutions médicales ne sont pas endogènes. Or, il nous souvient que, je crois que c'était au mois d'avril ou au mois de mai, le président de la République, Paul Biya, justement, invitait le gouvernement à trouver une solution endogène. Alors, vous savez, moi j'ai un point avec... Le 19 mai 2020. Voilà. Donc, moi j'ai un point avec des médecins de plateau. C'est-à-dire qui parlent de n'importe quoi, mais sans trouver des solutions. Donc, ce qui fait que nous avons le même lexique. Si maintenant Paris décide, ou bien l'Occident décide que on ne porte plus de masques, on ne va plus porter des masques. Si l'Occident décide que on démantèle les mesures, la détention physique, c'est ça plus ça. Si Paris, par exemple, décide qu'il n'y a plus de vaccin, il n'y aura plus de vaccin. Donc je pense que... Donc vous voulez dire comme Paris a décidé qu'il y a le vaccin? Non, c'est pour vous dire que nous avons pourtant des intelligences, oui, nous avons des scientifiques, mais davantage des scientifiques de plateau. Vous savez que moi, je suis très froid. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de fonds qui ont été dépensés par rapport à cette affaire-là. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt d'un palu, en communauté, arrive à l'hôpital, dit Covid. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez quelqu'un, une femme qui est décédée au quartier de suite d'un accouchement difficile, arrive à l'hôpital, on va vous dire que non, ça peut être un cas de Covid.
Mais en tout temps, vous avez... Comme les accouchements difficiles. Non. Puisqu'il s'agit d'un corps qu'il faut quand même mettre à la mort, non. Donc, on va vous demander de prouver que ce corps-là n'est pas le fait du Covid. Parce que ça donne de l'argent, c'est des fonds. Deuxième chose, c'est des constats que je fais. Là, je voudrais convoquer les éléments factuels, notamment du professeur Christian Perron, qui a dit que déjà le vaccin, ce n'est pas une panacée. Du moins, les vaccins qui sont actuellement proposés ne sont pas une panacée pour deux raisons. D'abord, ça ne confère pas l'immunité. Ça traite des effets symptomatiques. Ce qui suppose donc que lorsque, même si vous êtes vacciné, vous faites contaminer ou se faire contaminer. Deuxième chose, les clientèles de ces vaccins n'ont pas souscrit à la responsabilité, à la cour de responsabilité. C'est-à-dire que, quand même, lorsque vous mettez votre produit sur le marché, vous devez quand même souscrire à certaines clauses. Donc, ces laboratoires n'ont pas souscrit à la clause de responsabilité quant aux effets indésirables éventuels. Mais alors, pourquoi voulez-vous que tout le monde y aille? Maintenant, pour revenir à votre question. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise communication par rapport à cette pandémie. Il faut, à mon sens, endogéniser la communication. Parce que nous copions tout et n'importe quoi de l'autre côté. Ça, c'est important. Nous copions tout et n'importe quoi de l'autre côté. Le lexique médical est copié. Les masques faciaux, c'est copié. Les vaccins dont la sécurité et la fiabilité ne sont pas établis, c'est copié. On vous parle désormais du passeport vert, du passeport vaccinal, c'est copié. Donc, je pense que il est important... Le président de la République a sollicité une solution endogène. Est-ce que cela a été fait? Donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez des Camerounais et des Africains qui sont réfractaires à cette affaire, c'est parce qu'il y a une mauvaise communication. De deux, il faut quand même dire une chose. On arrive aujourd'hui, le Covid est devenu une arme politique. C'est-à-dire que pour contrôler, si vous voulez organiser une manifestation, on va vous dire que non, il faut prendre en compte les mesures barrières, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres médicaux, ça devient un problème. Et ce qui me gêne, c'est que les politiques, et je suis heureux d'en avoir sur ce plateau, qui, à mon sens, critiquent plus les méthodes ou bien la gestion de cette pandémie, et non la question fondamentale, parce qu'il faut quand même se dire une chose. Tout à l'heure, je parlais, n'est-ce pas, des médecins de plateau, qui sont, j'ai dit, des vecteurs, n'est-ce pas, de la ségrégation sociale et publique. À savoir, lorsqu'on parle, de mesures barrières, de passeports verts, et tout ce qui va avec, mais les politiciens ne voit pas la question de la violation des libertés et du recul de l'état de droit. Donc moi, ça me pose donc justement un problème, parce que c'est ça parce qu'en réalité, lorsque vous voyez donc cet aspect des choses, il faut comprendre, il faut pas seulement se limiter à l'aspect sanitaire qui est convoqué. Comme je l'indiquais tantôt, il faut une solution endogène. Maintenant, comme je l'indiquais tout à l'heure, la solution, je veux dire, l'examen doit venir d'en haut. Ok. Voilà, Maître Fidel Djumbissi, pour vous, qu'est-ce qui explique cet autre comportement des Camerounais? On a vu, après le 17 mars, les Camerounais ont adhéré, mais cette fois-ci, pourquoi ils traînent la patte, selon vous? Il faut relever, Serge Alain, que il n'y a pas une volonté ferme du gouvernement à faire respecter les mesures. Les mesures sont énoncées, édicté, mais il n'y a pas de volonté. Et déjà, même, il faut observer, même depuis l'année dernière, depuis 2020, avant le 17 mars, le gouvernement a traîné le pas. C'est-à-dire, au 17 mars, beaucoup de pays africains avaient déjà pris des mesures contraignantes pour faire à ce que
pour limiter la propagation du virus. Et vous voyez qu'au début, le gouvernement a hésité, il a multiplié les atermoiements et pour finir, pour faire la déclaration, pour annoncer les 13 mesures. Et alors que depuis janvier, le mouvement pour la résistance du Cameroun, à travers son secrétaire national à la santé, docteur Apollinaire Oko, avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Et que si on avait pris des mesures un peu plus tôt, même en février, le virus ne se serait pas propagé dans le pays comme au niveau où il se trouve aujourd'hui. Parce que si on avait limité au moins les entrées à l'aéroport, si on faisait au moins les tests à l'aéroport pour isoler ceux qui étaient testés positifs, on aurait limité cette propagation. Et vous souvenez que c'est après l'entrée sur notre territoire de deux vols venus de l'extérieur que le virus a commencé à se propager. Et même là, le public, l'opinion publique a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de confiner au moins les deux grandes villes où le virus était déjà présent, c'est-à-dire Douala et Yaoundé. Si on avait confiné à l'époque, le virus ne serait pas propagé dans d'autres régions. Et on a laissé, et le gouvernement a laissé, et le virus s'est propagé sur toute l'étendue du territoire. Tout ça pour dire quoi? Que le gouvernement se montre incapable de faire respecter les mesures. Pourquoi? Parce que comment on peut prendre des mesures pour limiter la propagation du virus? Des mesures qui ne sont pas assorties de sanctions. C'est ça le problème. S'il y a des mesures non assorties de sanctions, les citoyens ne peuvent pas respecter. Parce que l'inobservation de la mesure ne fait pas courir un risque. Donc il y a là une certaine liberté. Parce que il faut distinguer dans une mesure s'il s'agit de recommandations ou de règles de droit. Parce qu'une règle de droit qui doit être efficace doit être assortie de sanctions. Et chacun sait que si je viole, voilà la sanction qui m'attend. Dans les 13 mesures qui étaient dictées par le Premier ministre l'année dernière, il n'y a aucune sanction. Alors que on regarde dans d'autres pays, ouais, même au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, il y a des sanctions. Et plus grave, alors que le dispositif légal, le droit positif, donne toutes les mesures, tous les outils au gouvernement pour le faire. Parce que pour prendre des sanctions, il aurait fallu que le gouvernement décida de l'état d'urgence, comme on a vu ailleurs, dans les pays que je viens de citer, qu'on a vu en Europe. Parce que l'état d'urgence sanitaire donne les prérogatives à l'exécutif de prendre des mesures qui s'imposent. Parce que s'il faut prendre des sanctions qui ressortissent du domaine de la loi, parce que les délits et les crimes ressortissent du domaine de la loi, et des sanctions les plus fortes, c'est les délits et les crimes, c'est pas les contraventions, parce que si c'est les contraventions, le ministre de la Santé lui-même peut prendre par arrêté. Mais alors que pour les délits qui peuvent être dissuasifs, il faut les lois. Okay. Et on ne peut pas réunir le Parlement à tous les temps. Et c'est pour ça que l'article 9 de la Constitution prévoit que dans des cas pareils, le président de la République peut par décret prendre des mesures dans les conditions fixées par la loi. Et cela, il prend un décret d'état d'urgence. S'il y avait un état d'urgence sanitaire, ça donnerait la possibilité au Premier ministre de prendre des mesures et d'assortir ces mesures d'au moins d'amende ou bien de sanctions qui dépassent même 10 jours de détention pour faire en sorte que les citoyens respectent ces mesures. Donc, s'il y a une mesure qui n'est pas assortie de sanctions, elle est inefficace, on ne peut pas la respecter. Si on dit aux citoyens de payer les impôts et il n'y a pas de sanctions, quel citoyen va payer? Personne ne payera. C'est ça. Si on dit aux transporteurs urbains, de ce qu'on appelle vigoureusement les taximens ou les mototaximens, qu'il y a des pièces qu'il faut obtenir sur le plan administratif pour exercer le métier et que si vous ne le faites pas, il n'y a pas de sanction. Personne ne le fera. Donc c'est la même chose. Donc lorsque ce n'est pas assorti de sanction, il n'y aura pas. Et bon, peut-être au cours du débat, nous allons développer. Merci. Parce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles nous allons évoquer et indiquer pourquoi le gouvernement ne veut pas avancer dans la lutte. Marc-Anthony, pour vous, cette
ces deux points-là, hein, on a vu après le 17 mars 2020, les Camerounais, c'est parce que c'était nouveau, il y a eu cette peur. Pourquoi maintenant il y a cette résistance? Comme dit Maître Dubissi, c'est l'absence de sanctions. Pour vous, qu'est-ce qui explique ça? You see, I want to differ a little bit with Maître on some of his points because, you see, it is not because we saw something happening in Europe and because of the way they responded to it that we need to respond in the same manner. It is not because maybe this country acted like this on an issue that we should act the same. The first thing I want to recall to most of us is that Cameroonians are people who believe that, in fact, I should say, they believe in their freedom to an extent, as well as every other human being believes in their freedom. And this instituted in our constitution. We believe in our freedom. Exactly. And if we are supposed to be protected by the state, I'm sure if the state says, okay, we are sending out this as a result of this thing that has come, there is need for you to respect these 13 rules. And at a particular period of time, people choose to go in to respect them. It is in the place of the government to say, okay, if you are going to respect, this is what I'm going to do to assist you, because I'll be sincere in telling you this. If many of us would choose to stay in the house and not go out to work, it is hunger that is going to kill Cameroonians rather than the pandemic. If they do not respect it, it will give them opportunity to work. I'm not saying that people should disrespect the rules. But if we close ourselves in the house, sit there and say we are afraid of something that we have not been able to see, because we are speaking here right now, there are just figures we keep on hearing. I have not seen patients. We are hearing figures of increased number, but not seeing the patients. And so it creates doubt. A lot of Cameroonians are living in that doubt, whether it is really in existence or not. Many Cameroonians are living in doubt. I want to use an example. I have a young man, a friend in Yaoundé, whose father died, I think, 2 weeks behind. He left Kribi, went up to the village to do some stuff, and then he went, since he's a high blood patient, and so he went to the hospital. I think he spent close to 2 weeks in the hospital. He left the hospital 2 weeks after on a Sunday. Then, on Tuesday, it seems as if the thing mounted again. He ran back to the hospital. And then that evening, he died in the hospital. The same hospital had not given any indication that he was a COVID-19 patient. He went to the house, stayed in the house for 2 days before came back. And then he died that night. The result was he died of COVID-19. That man was being treated for high blood. Now he died, they say it's COVID-19. And then the worst thing about it is that when he died, they gave the corpse to the family. The corpse to the family. Then the family stayed with the corpse for one night before they had to bury the corpse the next day. Question. If you are the one, will you believe in such a situation? You just say the doctor had confirmed that he's a COVID-19 patient. Pourquoi la famille a donc choisi d'enterrer le lendemain? Because they told them that they have to bury. They cannot put the corpse in the mortuary. If you can't put it in the mortuary, will you keep the corpse in your house? No. So they were forced to bury the next day. And in such and a the burial took place in Yaoundé? It took place in the village, in Kambé. Okay. So, because Pa had gone to Nkambe, it was when he went to Nkambe before the thing came back. So, in the midst of all this, what do you expect that Cameroonians to say? I am not saying that COVID does not exist. It has killed a lot of people in Europe. A lot of people have been killed by this thing in Europe. I remember when Bill Gates and the wife actually made a pronunciation how they are foreseeing how Africans are going to be, in fact, on the streets of Africa will be littered with dead bodies because of the pandemic. The question, why didn't it happen? Because we should be looking at that. I heard something that my brother said there that made me happy. We in Cameroon
should not always want to copy because we think that it this is what they did there, we should copy. We need to come out with our own result and bring out solutions to our problems from within. If Africans as a whole do not know how to produce, we'll remain consumers and we'll be dictated upon. Today we are in a situation in which we are. France will tell you have to buy COVAX. Because if you don't buy COVAX, you cannot travel out of Cameroon. The UN. And in the middle of that, you will see the government will impose it. Because I saw a communique yesterday, which later on was declared fake, where Professor Njop said that it is supposed to be obligatory. That every one of us needs to, in fact, it means we are, they are violating the rights of Cameroonians. It means we do no more have rights. I don't have the choice to make. When I saw that, and later on they said it was fake, I saw another communique from the minister himself, which also contradicts that position, saying that it's not obligatory. I said, wow, this is serious. So we are living in a country where at times you get to doubt everything that you see. Okay. So we should not be fast in trying to say, okay, the government has done this or the government has not done that. Us as individuals, we are the ones who take this responsibility. I have the choice to what I want in life. Okay. So I don't think that the government will be the one to tell me what to do. Voilà. Sabamine Fodje, face à cette attitude, c'est comme m'a dit Macantoni, les Camerounais, ils ont leur croix en ce qu'ils ont, la pharmacopée traditionnelle. Mm-hmm. On croit en ce que nous faisons, docteur Cléda, il y a Peundi Samba et les autres. Bon, de toutes les façons, c'est ça qui explique un peu l'attitude. Exactement, je vais aller un peu plus au-dessus de ces différentes raisons pour évoquer un peu des raisons sociologiques, des raisons anthropologiques. Mm-hmm. Parce qu'il faudrait qu'on se rende compte qu'on est dans un pays déjà où les gens refusent de croire que des morts peuvent être de morts, de problèmes naturels. Généralement, dans nos pays, quand vous avez un proche qui décède, on a plus de facilité à accuser la sorcellerie ou à accuser un cas qui ne soit pas de la médecine conventionnelle pour justifier le fait que la personne soit décédée. Chaque fois, c'est comme ça. Je veux dire, dans la majeure partie des cas, le Camerounais ou l'Africain a cette facilité à croire que les gens meurent du fait de la sorcellerie, ainsi de suite, parce qu'on l'a mangé au village, parce qu'on a fait ceci. Donc, du coup, c'est déjà un premier blocage. Sur le plan sociologique aujourd'hui au Cameroun, on ne peut pas prendre une mesure avec des amendes ou ce qui vont venir après. Parce qu'il faudrait qu'on se rende compte d'abord qu'on est dans un pays où les Camerounais ont la propension à ne rien respecter. Sortez là dans les rues, vous allez voir comment les benskineurs roulent à contresens, combien de véhicules roulent là dehors et sont à jour, combien de personnes se mettent à jour. Et au début de cette pandémie, le gouvernement aujourd'hui qu'on accuse malheureusement, qui aussi a sa part de responsabilité, mais le gouvernement dès l'entame a pris des mesures avec des actions coercitives. Mais nous avons vu comment cela a été perverti. On s'est retrouvé avec des gens poursuivis dans des villages par des gendarmes, par des policiers, par des agents médicaux qui venaient arrêter des gens dans des domiciles pour dire que bon voilà, on va vous faire un test, on a appris que vous êtes venus de Rome, vous êtes cachés dans la maison. Il y a comme une chasse aux sorciers. Et il y a eu aussi cette histoire où on disait que une fois que vous êtes décédé de Covid, on doit vous enterrer immédiatement. Et que les corps ne devraient pas aller d'un département à un autre. Ça a encore créé des problèmes où il y avait des corps qui étaient cachés dans les soutes de véhicules, dans les sacs de bagages pendant les voyages. Donc vous comprenez que aussi longtemps qu'on va croire qu'il faut faire qu'il faut utiliser la chicotte pour faire passer les mesures, ça ne passerait pas. Oui. Et nous allons nous enfoncer davantage. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une pandémie qui est mondiale. Et il y a un relâchement. Pourquoi? Il y a un relâchement parce que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, les raisons sociologiques et anthropologiques voudraient qu'il y ait de l'automédicamentation au Cameroun. Les gens ont cru aux potions et ces potions, dans beaucoup de cas, ont marché. Les gens savent qu'il suffit de mélanger X, Y et Z éléments pour pouvoir retrouver la santé. Je ne vais pas citer ces éléments parce que moi, je ne voudrais pas encourager des gens à prendre du risque pour leur santé. Il y a la notion d'immunité collective qui a voulu que les gens se disent que, OK, il y a cette immunité collective qui fait en sorte que nous tous, nous allons être malades sans véritablement faire la maladie. Il y a aussi la notion des solutions endogènes
de Mgr Clé, et beaucoup d'autres personnes qui sont proposées. Mais je voudrais dire ici là que l'Afrique, et particulièrement le Cameroun, pour la première vague, a résisté à la maladie parce que il faudrait rappeler que les patients de plus de 50 ou 60 ans avaient des facteurs de comorbidité, étaient les plus affectés quand nous regardons aujourd'hui. Donc du coup, il y a une grande frange de la population qui n'ont pas senti le choc du virus, c'est-à-dire qui n'ont véritablement pas, dont le taux de mortalité ou de morbidité n'a pas touché certaines franges de la population. Et il faudrait rappeler qu'au Cameroun, 60% de la population a moins de 60 ans aujourd'hui. Donc forcément, on se retrouve avec la plus grande frange de la population qui n'est pas forcément secouée véritablement par le taux de mortalité de cette pandémie. Donc du coup, la thèse de l'immunité collective s'installe dans l'esprit des Camerounais et il y a un certain relâchement. Sauf que cette fois-ci, pour 2021, il y a deux variantes du virus qui sont en cours. Et les différentes personnes ayant un peu relâché du lest par rapport au respect des mesures, font en sorte que le virus reprend du poids de la bête. Parce qu'il faudrait rappeler qu'il y a beaucoup de personnes qui sont positives sans faire la maladie. On les appelle les patients asymptomatiques. Vous pouvez être positif sans faire de maladie, mais seulement vous êtes très dangereux pour votre entourage. Parce qu'autour de vous, vous rencontrez des personnes qui ont des facteurs de comorbidité ou bien qui sont en âge élevé. Et donc, juste le fait que vous soyez en contact avec eux est une conséquence de ce qu'ils vont mourir et qu'après, on va accuser un grand-père qui est au village qui ne connaît rien. Voilà. Albert Ntola ici. Le Premier ministre a fait sa sortie vendredi 5 mars. Et le même vendredi, on a vu des concerts parce qu'il a insisté sur les rassemblements de plus de 50 personnes. C'était le quatrième point, la quatrième mesure, je crois bien, dans les 13 de 2020. Il a insisté dans son discours, dans sa sortie du 5 mars, que ces rassemblements de plus de 50 étaient interdits. Le même vendredi, il y a eu des spectacles dans la ville de Douala, Yaoundé. On a assisté à des enterrements. On a même vu hier la levée de corps d'un membre du gouvernement. Il y avait plus de 50 personnes. Oui. Vous, ça veut dire quoi? Non, tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que les âmes viennent d'en haut. Les âmes viennent d'en haut. Et lorsque les âmes viennent d'en haut, ça veut dire que c'est ce qui est répercuté par le bas. Donc le bas copie le haut. Oui, absolument. Et puis, il faut quand même qu'on se dise quelque chose qui est fondamental. Mais tu as appuyé, il n'y a pas la sanction. Il n'y a pas. On n'agite pas la sanction. Non. C'est ça qui fait que les Camerounais n'est pas. Monsieur, ne respecte pas. Monsieur Otou. Albert Ntola. Monsieur Otou. Oui. Et il y a. C'est une digression. Il y a un arrêté du Premier ministre dans ce pays qui interdit l'usage du téléphone au volant, n'est-ce pas? Oui. C'est respecté? Est-ce qu'il y a les sanctions? Non. Pardon. Il y a les sanctions. Ah bon? Oui. Vous avez été sanctionné parce que vous conduisez un téléphone au volant? Non. Ok. Maintenant, on revient dans la thématique. Oui. Lorsque vous écoutez, tout à l'heure, je vous faisais comprendre que nous sommes des suivistes. Que dit le comité scientifique camerounais par rapport à cette pandémie? Quelles sont les solutions endogènes? C'est de ça qu'il s'agit. Mesures, parce que nous utilisons le lexique médical qui vient d'ailleurs. Nous utilisons les alternatives qui viennent d'ailleurs. Quelles sont les solutions endogènes? C'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, je vous évoquais, il y en a qui vont peut-être me rassurer. Je dis ce que je pense. Je n'aime pas les médecins de plateau qui viennent justement réciter ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, ou bien sur Internet, ou bien ce qu'ils entendent d'ailleurs. Non. Nous sommes dans notre contexte et j'insiste, le président de la République du Cameroun a insisté sur une solution endogène. Et lorsque vous attendez, et quelquefois quand vous allez dans les réceptions, c'est les mêmes personnalités qui ne respectent rien du tout. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit les citoyens lambda qui respectent ce qui est dit? Deuxième chose, c'est le même président et le même Premier ministre qui dit que les responsabilités sont individuelles. Non, il faut qu'on. J'aime pas ce n'est pas parce que le ministre ne respecte pas que. Je suis responsable de ma santé. Oui. Je suis le premier responsable de ma santé. Voilà. Et il peut arriver que l'État
puisse être le régulateur de ce genre. Oui. Mais sauf que dans le contexte du Covid-19, si les Camerounais avaient attendu la réaction du gouvernement, il y aurait peut-être eu une hécatombe. Parce que s'il fallait attendre que ce soit les vaccins qui viennent d'ailleurs et qui sont d'ailleurs doutés. Ça, il faut le dire. Parce que, à partir de... Non, je vais vous dire tantôt. Oui. Lorsque vous avez les laboratoires qui sont les créateurs des vaccins qui ne peuvent pas vous signer une clause de responsabilité par rapport aux effets secondaires éventuels, ça veut dire que c'est douteux. Lorsque vous êtes, n'est-ce pas, conscient et convaincu, n'est-ce pas, de la fiabilité de votre produit, vous signez toutes les clauses éventuelles subséquentes. À partir du moment que donc vous avez des laboratoires qui refusent de signer les clauses de responsabilité, ça veut dire qu'il y a un problème. Et encore que les scientifiques honnêtes vous disent que ces vaccins ne sont pas fiables à 100%. Ça veut dire que vous avez les vaccins qui sont fiables à 115%, mm-hmm. d'autres à 90%, d'autres au plus à 95%, avec des effets indésirables éventuels. Bon, comment voulez-vous que les Africains et les Camerounais courent? Disons, pour revenir à votre question, je voudrais vous dire une chose. Tout à l'heure, il y a les questions sanitaires, il y a les questions économiques. Je ne pense pas que le gouvernement, même dans sa communication, soit sérieux. Ça, je le dis, et c'est vrai. Même dans sa communication, le gouvernement n'est pas sérieux. Parce qu'ils sont sous pression des bailleurs de fonds internationaux. C'est une affaire de gros sous. Je ne vous l'apprends pas. Donc, moi, j'aurais préféré que... Eh bien, et encore, c'est quoi le Covid? Il me semble que c'est une grippe. C'est ce que j'ai appris. Oui. Je prends sur le contrôle, je prends les éléments de langage de certains professeurs français. C'est-à-dire que, notamment, je vais citer un. C'est un contemporain, notamment Christian Perron. Je prends le professeur Raoul. C'était une grippe et qui pouvait se faire soigner par la l'hydrochloroquine. Donc, il ne faut pas qu'on exagère parce qu'il faut satisfaire la mafia des laboratoires de Big Pharma. Non, c'est pas. Et ensuite, lorsque vous faites souvent de la peinture chez vous, est-ce que vous mettez les masques du genre que nous mettons là? Mais pour un virus mortel, on devrait mettre quelque chose de plus sérieux. Et vous, quand vous questionnez, n'est-ce pas, cette pandémie, il y a des contradictions à tous les niveaux. Que ce soit au niveau même de ces manifestations et de son traitement, il y a des contradictions à tous les cas. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut cesser d'en... Mais je peux vous dire, cela ne veut pas dire que je suis en train de dire aux Camerounais de ne pas, ou bien aux Africains, oui. de ne pas de prendre cela comme si c'était pas une menace. Non. Moi, je pense que s'il y a une solution endogène, tout le monde sera partant. Je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure mon co-panéliste. Oui, rapidement. Oui, rapidement. Oui. Disons, le communiqué qui a été signé par le professeur Ndiop, ça ne concerne pas le Covid-19, ça concerne beaucoup plus. La vaccination préventive qui, en fait, cela est dédié aux enfants préscolaires, c'est-à-dire que si vous avez un enfant qui a 3-4 ans avant qu'il est à l'école. Et pourquoi ils mettent donc fake hein? Pourquoi ils disent que c'est un faux? Non, c'est pas un faux communiqué. Vous dites que c'est pas un faux? C'est pas un faux. Ah, ok, merci. C'est pas un faux. Après, du moment qu'il y a un énoncé, il s'agit d'un projet de décret. Okay. C'est un projet de décret relatif. À la vaccination préventive au Cameroun. Voilà. Voilà. Maître Fidèle Doumbouzi, il y a cette fameuse distanciation sociale et ces spectacles qui sont toujours organisés au Cameroun. À qui la faute? Le Premier ministre dit on ne veut plus de 50 personnes, mais on continue de voir des spectacles qui sont organisés, ça et là. À qui la faute? Oui, aux organisateurs, au public, ou bien à ceux-là qui délivrent les autorisations, les spectacles? Oui, je pense que la faute est partagée parce que les mesures qui sont édictées, comme j'ai indiqué tout à l'heure, c'est des recommandations, c'est de simples recommandations. Et lorsqu'il s'agit des recommandations, chacun est libre de respecter ou de ne pas respecter. Donc le gouvernement
a considéré que pour lutter contre la pandémie Covid-19, il s'agit d'un domaine de vie privée, d'un domaine de liberté, et n'a pas tenu compte qu'il y a les politiques de santé publique qu'il faut protéger, même si les gens sont libres de se comporter comme ils veulent. Ils doivent également protéger leurs prochains, c'est-à-dire protéger ceux qui sont dans l'entourage. Et pour protéger ceux qui sont dans l'entourage, il faut respecter les mesures qui sont édictées, et ces mesures, pour être respectées, devraient être assorties de sanctions. Et vous trouvez que ce gouvernement trouve toujours des subterfuges et va trouver toujours des prétextes pour ne pas faire à ce que ces mesures soient respectées. Et je me souviens une fois, le délégué général à la sécurité nationale est sorti, a fait une sortie dans laquelle il a indiqué que le Cameroun ne dispose pas suffisamment de policiers pour mettre derrière chaque Camerounais, et qu'il n'y a pas suffisamment de prisons pour mettre beaucoup de gens en détention. Et je ne sais pas si, pour appliquer notre code pénal, on a besoin de policiers derrière tous les Camerounais pour le faire. On n'en a pas besoin. Et que lorsque les infractions sont commises, il y a des procédures pour les constater et les faire sanctionner. Et tout ça, le gouvernement ne fait pas ça. Pourquoi? Je pense que c'est le docteur qui l'a relevé tout à l'heure. Il y a la famine, les Camerounais ont faim. Et la réalité, c'est quoi? C'est que l'économie camerounaise est fragile. C'est une et aujourd'hui, la pandémie Covid est venue démontrer à tous les Camerounais l'échec patent des politiques économiques du gouvernement en place. C'est-à-dire le bilan désastreux sur le plan économique. Et aujourd'hui, même si autrefois nous avons pu résister à certaines attaques, c'est-à-dire à certaines difficultés où on a parlé de résilience économique, et là il faut saluer la bravoure des Camerounais, la bravoure des opérateurs économiques, la bravoure de tous ceux qui se lèvent tous les matins pour se battre afin que notre pays soit debout sur le plan économique. Mais ce pays est debout aujourd'hui avec des pieds d'argile, c'est-à-dire une moindre secousse, les moindres soubresauts nous feront tomber. Parce que si on respecte strictement les mesures, l'économie ne pourra pas tenir. Et le gouvernement, ayant compris ça, a sacrifié les populations au profit et pour sauver seulement l'État. Et l'État qui sauve, c'est qui? C'est l'oligarchie qui est au pouvoir. Et ce n'est pas les populations. C'est-à-dire, on a pris des mesures, on a choisi de sacrifier les Camerounais, et que vous voyez que le gouvernement n'a même pas voulu écouter le JICAM qui a proposé une batterie de mesures. C'est-à-dire, il fallait, pour prendre des mesures qui devraient être respectées, apporter un soutien à l'économie. Et ça n'a pas été fait. On a vu dans d'autres pays comment on a distribué, on a apporté de la subvention à des opérateurs économiques et même à des citoyens. C'est-à-dire, même au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, vous avez vu, donc on fait le confinement et chaque citoyen avait droit à quelque chose pour supporter cette période et respecter les mesures éditées. Donc, okay. C'est les politiques économiques. Vous souvenez que ce régime a multiplié des politiques économiques comme un programme de réduction à la pauvreté. Merci maître, on revient. PSE, merci. Et aujourd'hui, stratégie nationale. Merci maître, on revient après le journal. Parce que dans un instant, ce sera le 20h. Mais avant cela, une place de pub. Acheter ses carreaux chez un professionnel, c'est rassurant. Connecting Call, partenaire des plus grandes marques, avec 100 000 m² de carreaux disponibles, allant du très petit prix au très haut de gamme.